Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur la fonction année. La fonction année, elle est toute simple, elle permet d'extraire l'année d'une date. Ici, donc, on a des prénoms, on a leur date d'embauche, donc une liste de dates, et on va tout simplement extraire l'année de chaque date. Donc, on va faire égal année, on ouvre la parenthèse, on sélectionne la date pour laquelle on veut extraire l'année, on ferme la parenthèse, et ici, il va nous extraire l'année. Donc, ici, 2021, 2021, 2022, 2022, et on a l'année d'embauche de chaque employé. Donc voilà pour cette fonction année. Pour des vidéos un peu plus poussées sur les fonctions de date, je vous invite à explorer notre chaîne YouTube.